Bienvenue pour une nouvelle vidéo du Cercle des Gamers Disparus, toujours dans l'optique de rendre davantage visibles quelques petits youtubeurs, je vous invite cette fois-ci à aller voir la chaîne de Yenoul. Il se consacre à la découverte de la ludothèque de la première PlayStation, la vieille Station comme il l'appelle. En dehors des titres classiques, Yenoul ne manque pas de s'intéresser aux jeux moins connus et comme souvent il découvre, ce n'est pas exclu qu'il tombe sur une perle cachée ou sur une bouse. C'est typiquement le genre de contenu qui me branche, on sent que le mec a du plaisir dans son projet. Voici quelques extraits, appréciez s'il vous plaît. Donc là, j'imagine que c'est le moment de réflexion. On a plusieurs passages, donc on n'est pas obligé, on peut vraiment avoir une variation de jeu la plus totale. Je sais pas si ça apporte plus de bonus. Je ne sais pas. Nous aurons la réponse plus tard. Donc à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, ça passe mieux hein, de suite hein, quand on réfléchit. On va essayer d'attirer la remonta. Ça, j'y arrive plutôt bien. Et ça attire même d'autres poissons. En fait, c'est pas une Raymanta, c'est une Ray, puisque la Raymanta est en fait un poisson pilote. Est-ce que elle n'en a pas dessous? On a vraiment l'impression que ça vole. J'aimerais rencontrer des méduses aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce sont toutes de vraies espèces. Hein. Ils n'ont pas inventé, ils n'ont pas fait des hybrides ou des choses comme ça. En vue subjective, il n'y a plus de ce problème de caméra. Il y a toujours les problèmes de collision et le problème de distance, quoi. Et en fait, là, pas du tout. Et problème de jouabilité, alors les Bubsy ou les trucs dans le genre qu'on a pu voir par la suite en plus, parce que ça c'est comme je disais, c'est le premier. Donc il n'y a aucune excuse pour avoir fait des bouses honteuses par la suite. Voilà, selon moi. Et ben voilà, on n'a plus qu'à sortir rapidos. Donc oui, ça se passe en speedrun, ça il n'y a aucun problème là-dessus je pense. On va essayer quand même de faire un petit peu tout.